السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله ما في قلبه وألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن نعمة الله من بعد ما جاءته
فإن الله شديد العقاب. الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ça c'est quelques ayats qui ont une relation avec nous lisons dans Surah Baqara, ayat 204, ayat 204 jusqu'à ayat 213. Ayat 204 dans Surah Baqara jusqu'à ayat 213. Ça pourrait marquer que dans les son dernier leçon, nous finissons comprendre qu'il y a un Anbiya, tout un Anbiya, notre frère. Et Adam alayhi salam, les premiers nabis qui finissent de la terre. Il n'est pas le premier Rasoul, mais les premiers nabis. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam finit dire qu'il y a un Anbiya, notre ikhwa, notre frère. ودينهم واحد. Ça veut dire دين من أنبياء أنزل دين. كي دين؟ أبس الإسلام. Nous fin trouver que Adam عليه السلام les fin commence comment finir comme les enfants grandis. Ça veut dire je peux vivre en tant que musulman. Ban point qui important pour comprendre là ban frère ban sœur que Adam عليه السلام quand il vient la terre, il peut vivre دين الله سبحانه وتعالى جل جلاله. Il peut vivre دين الإسلام. Et l'eau à l'islam, même à l'incréseur, fitrat Allah, il l'a dit, fitrat Allah, ça allait, hein. Previous leçon. Kullu mauloudin yulidu ala al-fitra. Tous mes enfants connaissent ni l'eau fitra, ni l'eau à l'islam. Wa inni khalaktu ibadi hunafa. Hadith Qudsi, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire, moufin crée, Allah fin dire, Rasul sallallahu alayhi wa sallam Allah fin dire, wa inni khalaktu ibadi hunafa. Moufin crée, mouban, c'est veut dire hanif. Hanif veut dire que je te penche vers votre Rab, qui fait une crée autre, qui prend un contrat avec autre, quand je suis encore dans le forme de Rouh. Nos premières leçons que nous t'expliquons dans Short Reminder. Right? Alors, quand je viens de la terre, Allah, je te l'audine, je te fitra à l'islam. En même temps, tu en as 12 et ban 11. Nous finissons apprendre que, d'après Tafsir Abdullah ibn Abbas, radiallahu an, les tibons qui nous expliquent qui en a ban tafsir par exemple, bien souvent, il y a des affaires qui appellent Israiliyat, c'est-à-dire des riwayat qui sont mufassir parmi les Sahaba ou bien Tabi'in ou bien Tabi'in, fin apprendre avec des Ahlul Kitab. Clair? Ça, des riwayat là, il y a trois qualités. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit La tukadhibuhum wa la tusaddiquhum, fahadithu anhum. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ou comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils sont capables de cause concernant sa man l'histoire qu'ils ont gagné avec man Ahlul Kitab, là. Mais seulement, ni croit-li, ni résette-li. Dans sa man riwayat, que par exemple, expliquer si pas, par exemple, serpent, à travers serpent, il rentre dans le djinn, par exemple. Par exemple, Adam alayhi salam et Hawa quand vient de la terre, à chaque fois qu'il y a des enfants qui sont nés, Michel et Madame qui sont nés en même temps. Un garçon et une fille. Right, là. Parce qu'il y a un droit qui, sa naissance qui ferait que c'est né, pas un droit marié avec un dieu. Par contre, quand l'autre coup un frère qui est né, il y a un droit sa frère marié deuxième coup de nez se serre. Ça, c'est un riwaya israélien. C'est pas dans le Coran et dans le Sunna, ça. Alors, nous,
ben ulama, il expliquait qu'il y a trois façons nous deal avec sa bonne qualité narration là, sa bonne qualité histoire là. Numéro un, c'est le Coran montrer qu'il narration là faible, nous résette-li. Par exemple, quand il dit qu'Iblis lui tient malaïque, c'est mort, il peut veiller la peau de Jannah, qu'on s'en appelle les djinns. Nous finissons de créer le Coran, puis dire Khalaqtani minar, Allah crée Iblis avec Dieu fait, Malaïkan crée avec Nour, avec la lumière. Ça veut dire sa riwayat là, Israéliat là, rejeté. Ou bien une autre petite chose, quand une riwayat vient Israéliat, après le Coran vient confirmer sa riwayat là, ça veut dire ça, livré. Et même une riwayat, pena Coran ni peut démentir sa riwayat là, ni Coran peut approuver sa riwayat là, nous qui nous fait, ni nous approuve, ni nous aussi, ni nous rejeté. Il nous laisse comment il était. Nous pas dire livré. C'est pour ça que, comment vous pouvez expliquer, vous ne pouvez pas rentrer dans le détail, si pas vrai même, si vous ni un garçon et qu'un petit peu pas de moyer. Vous ne pouvez pas rentrer. Seulement, ce qui nous sûr qu'il est dans les enfants. Il est dans les enfants parmi Adam et Sam, il est dans la progéniture continuée. Ça veut dire que tu as un principe qui est être adopté contre la moyasse entre les enfants de Adam et Sam. Ensuite, nous finissons trouver qui. Ça deux enfants de Adam alayhi salam Coran peut dire watlu alayhim sura maida naba abnai adam bil haqq raconte zut lis pour zut explique zut concernant l'histoire de deux enfants Adam alayhi salam bil haqq qui la vérité qui est arrivé id qarraba qurbanan kut ça deux garçons une présente zut qurbani zut sacrifice pour Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Allah a accepté un de ses enfants dans un sacrifice, il a réservé pour l'autre frère. Ça, l'autre frère, c'est un, il a retourné ça là. Ça veut dire désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, il finit commencer. La tuerie, c'est désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu. Ça veut dire désobéissance. Ça veut dire quand Allah dit Fahbitu minha jami'a, Adam, Hawa, Iblis, allo la terre. Bardoukoum li bardin adou, c'est pour un l'ennemité en deux. Qui l'ennemité? L'ennemité Iblis avec les enfants Adam alayhi salam. Même l'ennemité qui commençait entre Iblis et nous papa Adam alayhi salam dans Jannah. C'est même l'ennemité. Ça l'ennemité là reproduit le dunya. Et surtout qu'il nous apprend qu'Iblis se travaille, fait à nous désobéir Allah subhanahu wa ta'ala, montrer à Allah qui livine honneur aux enfants Adam alayhi salam. Walakat karamna bani Adam, sura Isra, Allah dit nous fin honneur aux enfants Adam, mes enfants Adam, wala tejidu aktharahum shakirin, la plupart des enfants Adam, zot n'a pas ban shakirin, zot pas ban qui reste ibadat juste pour Allah, zot pas ban qui vivent dans l'obéissance à Allah, majorité, et la majorité fait shirk, majorité adore en l'autre apporte Allah, majorité adore ensemble avec Allah, ben les autres équivaut à Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu subhana. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ni fin dia concernant sa tuerie là, ni fin dia la tuqtalu nafsun dhulman illa kana ala ibn Adam al-awwal kiflun min damha thalika li annahu awwalu man sanna al-qatl. Parce que sa garçon qui tue ce frère-là, c'est lui qui vient introduire l'action de tuer. Alors, vu qu'il introduit, il innove une nouvelle action qui n'est pas tienne pour mes enfants, Adam alayhi salam, c'est la tuerie. Alors, tout le monde qui tue, Zulman, avec l'injuste, il pousse sa pisse là. C'est pour ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Man sanna fil islam sunnatan hasana, fa amila bihi ba'dahu kutiba lahu mithla. مثل اجر من عمل بها ولا ينقص من اجورهم شيء. C'est lui qui a introduit un bon principe. Là, mon papa on vient explique bid'a, le sahadith là, est-ce que sahadith là il y a une preuve pour dire une bid'a hasana, ça pas mauvais son style. C'est moi ici, nous veut dire principe. Enjimun il introduit un principe. Il introduit un principe. Par exemple, Manjimun rentre devant masjid, zed zot savat devant partout. Enjimun vient il prend sa man savat là, il met dans l'eau. Lendemain, tout le monde met le savat dans l'autre. Ça veut dire que ça dit que l'on introduit un principe qui est bon. Puis nous n'avons rien à faire avec Ibadah. Ibadah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit enseigne tout quelque chose qui est bon pour nous et quelque chose qui n'est pas bon pour nous. Et Allah finit perfectionne din. Wa alaykum salam. Alors, pareil comme ça, même celui qui introduit un principe négatif qui n'est pas bon. Alors, qui peut arriver, tout le monde qui fait sa action là après lui, il peut gagner son péché. Alors, nous avons prendre précaution. Un monde, par exemple, moi, je introduis Internet dans mon case.
Moi, introduire Internet. Pas capable, pas introduire. Parce que l'école, CRCS, l'étude, puis attaché avec Internet. Allez, je ne vais pas mettre la loi. Je ne vais pas laisser mes enfants ouverts. Je vais introduire quelque chose dans la case. Dis-moi, mon fini mot, ça, mes enfants-là continuent de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. À travers ça, la musique-là, à travers sa vidéo-là, à travers sa Internet-là, je vais pouvoir gagner sa péché là dehors capable. Bil aks, mon fait à mes enfants, apprendre le Coran. Mon fait à mes enfants, vin hafi le Coran. Apprendre ahkam le Coran. Enseigne le Coran. Mon montre qui sont bon, dis-moi, quand je quitte dunia mon aller, quand je quitte dunia mon aller, je continue à recevoir sa bonne récompense. Right là? Bon frère, bien sûr. Là, désobéissance, il finit commencer par mes enfants Adam alayhi salam. Il commence par mes enfants Adam alayhi salam. Et là, la force de la vérité qui fait face avec la force de fausseté. At-tadafur qui veut dire. Tant que la dunya existe, quand on a la force du mal, on a la force de la vérité. Tant que dunya peut exister. Ça, c'est un sunnah qui est dans le Coran. C'est un principe Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Nous n'avons pas pour capable qu'un dimoun reste tranquille quand il a la fausseté. Pas pour capable. C'est arrivé. Seulement la fausseté peut prévaloir. Peine du tout la voie de la vérité, c'est qu'il peut avoir dunya pour fana. Ça veut dire nous arrivons dans Shirarul Zaman, Shirarul Khalq, ban pli pied de Jimoun, quand peine à personne qui peut lève la voix concernant Haq, concernant la vérité. D'accord? Allô? Désobéissance compte, hein? Continuez. Coran explique-nous qui can un nasu, vous faites lire dans Surah Baqara. Right là. Ça veut dire en même temps que la décadence, Shaitan se travaille, commence fleurir. Shaitan se travaille, il commence fleurit, porte ce fruit, il commence dans le fruit de ce travail, Jimoun, il commence à désobéir. Allah finit commencer dans la tuerie, ça veut dire désobéissance commencer. Sa désobéissance-là, il peut empirer. Ça veut dire, tiennent la force de l'autre côté, man, les autres enfants de Adam et Salam, parmi eux, qui type invite man Jimoun pour retourner vers Allah, pour God, sa digne, qu'ils ont papa, il descend avec ça, à l'islam, l'oki, Allah crée sa fitrate-là, alors préserve sa digne. Man qui fait dawa. Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu li dit dans sourate Baqara verset 213, moi fait lire. Kana an-nas ummatan wahida fab'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa mundhirin. Kana an-nas ummatan wahida. Moi pensais que tout bonne frère fini comprend que communauté humaine, nature humaine tient seule umma. Quand fini dans la tuerie, il y a encore un seul homme. Fin commencer la désobéissance, il y a encore un seul homme. Fin la tuerie, il y a encore un seul homme. Ensuite, Coran qui dit "Kan an-nas ummatan wahida, fab'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa mundhirin ma anzala al-kitab bil-haqqi liyahkuma bayna an-nas fi ma ikhtalafu." Ensuite, Allah bizin commence à envoyer ban avertisseur, ban qui donne bonne nouvelle afin qu'il retourne sa main du mounkin divisé vers l'unité qui se tient avant la division. Clair? C'est le Coran, ça. Dans le tafsir al-Tabari, Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, dit qui est arrivé, Alladine et Osambian, non, kanu ummatan wahida. Sa main du mounkin tient seule communauté. Tous mes enfants, Adam alayhi salam, tient seule communauté, tient seule umma. Ça un seul umma là, ça même un seul umma qui quand Allah dans le Coran sur l'Anbiya, il récite tout ban Anbiya alayhi salam, quand il finit de dire inna hadhihi ummatukum ummatan wahida, ça c'est un seul umma. Tout ça ban Anbiya là, ze din wahid comme Rasoul Sam dit, get Coran avec hadith, comment quand un din qui clair, qui comme Rasoul Sam dit, nous trouvons un ayat Coran avec un hadith, pas pe tap un à l'autre, non, il peut merge un à l'autre. Comment nous trouvons un ta'limat Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut merge un à l'autre? Comment on trouve un djimoun yamin en l'enseignement? Comment on enseigne la contradiction? On connaît que ça, besoin d'être bien là. Parce qu'il en dit Allah, peine la contradiction. Afala yatadabbarun al-Qur'an surah An-Nisa, walau kana min indi ghayri Allahi, la wajadu fihi ihtilafan kathira. Si din pati sur chikot Allah, tu peux avoir beaucoup de contradictions. Alors, dans Dîn Allah, il y a une contradiction. C'est nous compréhensions qui nous fait apparaître la contradiction. Dîn Allah, il paraît, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit Al-Anbiya ou Ikhwa, ben Anbiya, zot frère, dînuhum wahid, zot dîn wahid. Coran dit Kana an-nas ummatan wahida,
من انسان چن سل کمیونیتی دینو هم کی چیده؟ الاسلام فختلفو زفین دیویزی کی سا دیویزیون ها؟ کی نارریوه در سا دیویزیون ها؟ کی نارریوه در کمیونیتی اومن؟ کان ان فریر در کان ان زنفان در آدم انسان من توی سو فریر سا کی قرآن اینجا این دیویزیون نو بگیده کپل دیویزیون نو Quand il y a la tuerie, il y a encore une seule communauté. La jalousie, il y a une seule communauté. Batté, il y a une seule communauté. Pébo à l'alcool, il y a une seule communauté. Zina une rentrée, il y a encore une seule communauté. Mais c'est moi qui rentre dans décadence. Mais il y a encore une seule communauté. Quand le Coran décrit qu'il y a un mat divisé, division dans un mat, qui est cette division qui est arrivée dans la communauté Adam alayhi salam, dans les enfants de Adam alayhi salam, que le Coran peut dire, une bise commence à envoyer une glade. Tidings giver, man qui donne bonne nouvelle et man avertissement. Quand? Aïe. Ibn Abbas radiallahu an, de Mustadrak al-Hakim, lui dit un hadith qui trouve dans Mustadrak al-Hakim. Et ça, Mustadrak là, c'est un Mustadrak à la Sahihain. Qui veut dire ça? Imam Hakim, rahmatullah alayhi, alim hadith, l'in collecté man hadith qui remplit conditions de Bukhari avec muslim. Tout condition qui m'a Bukhari mettait pour mettre un hadith de ce livre, tout man condition qui m'a muslim une condition qu'il mettait pour mettre un livre de ce livre pour mettre un hadith de ce livre, Imam Hakim l'in fait un livre qui appelle Mustadrak ala Sahihain, quand l'in fait Stidrak, ça veut dire l'in check man hadith qui li remplit condition Bukhari avec muslim, c'est ma banna pas mettre hadith dans ce livre, l'in met ça dans ce livre. Ça veut dire ce hadith qui m'a fait citer là, c'est un hadith qui est authentique, qui remplit conditions de Imam Bukhari et Imam Muslim. Qui est ce hadith là ça? Ibn Abbas, un athar ça, mawkouf à Abdullah ibn Abbas. Un autre terme technique. Quand Abdullah ibn Abbas lui explique un ayat Coran, et dans sa ayat Coran là, il peut donner information raïb. Par exemple, il peut dire d'un kabar qui peut passer. Il ne peut pas dire dans son indien là. Abdullah ibn Abbas qui peut expliquer sa ayat Coran là. Il peut dire par exemple, un exemple, on dit. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُمْ مَعِيشَةً ضَنْكَ Il y a un avis difficile. Abdullah ibn Abbas, il y a un avis difficile, c'est عذاب قبر. Il n'y a pas de dire sur ce mindia. Mais comment capable qu'Abdullah ibn Abbas, radiyallahu an, il peut expliquer nous concernant une information qui est invisible, qui est raïb. Il n'y a pas qu'un raïb, il n'y a pas qu'un wahi. Alors, un ulama dit, sa athar qui mawkouf à l'Ibn Abbas, lahu hukmu raf'i. Qui veut dire ça? Qui sa hadith, sa athar, qui Abdullah ibn Abbas peut dire là, vu que sa explication qu'il peut donner dans une raïbia, ça c'est un hadith qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est un hadith qui Abdullah ibn Abbas radiallahu an, fin apprendre ça avec Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam. Un exemple ici. Là, l'exemple qu'on peut donner là. Ibn Abbas dit qu'il y a un peu de Nuh et Adam, 10 couronnes. Comment est-ce qu'Abab ibn Abbas dit qu'entre Adam alayhi salam avec Nuh alayhi salam, premier Rasoul, Nuh alayhi salam, premier Rasoul, il y a 1000 bananes. Comment est-ce qu'il y a ça? Comment? Quand il y a cette information-là? Vu que la scène, narration de sa affaire de Ibn Abbas Ali authentique, les remplies conditions Bukhari avec Muslim, les élèves ont dit que sa tafsir de Abdullah ibn Abbas, là, ça veut dire qu'il est marfou, il est nabi, sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire qu'il prend ça du Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Qui dit dans sa hadith? Il dit, Bain Nuhi wa Adam, 10 couron. Il y a 10 siècles entre Adam et Nuh. Écoute bien. Kulluhum ala shari'atim min al-haq. Et c'est tout ce qu'il y a au shari'a qui est haq, qui est vrai. فاختلفوا في لنا ديفيزيون فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين الله فينا انفاي بان انبياء عليهم السلام بان كي دون بون نوفيل اي بان كي دون افيرتيسمون وكذلك هي في قراءة عبد الله كان الناس متواليه فاختلفوا وكان اول نبي لانه روايه اول نبي بعث سي نوح عليه السلام نون كومبرون بيان كي ساكي بو فيك اكسبليكي كي ديفيزيون كي نينا دا كوميونيتي بان ناتشيل ان سول شريعه بنات في فعل عبادة جسم الله سبحانه وتعالى جل جلاله ميم كي ديزوبيسانس ان فيني كومونسي نا بلاس بوتي شيطان بي ترافاي مي سيلمون اون ماتش انكو انسيل انسويت اون ماتين ديفيزي اي دا اون ماتين ديفيزي الين اون فاي مان انبيا عليه السلام كي سا ديفيزيون لا فيني اري 25 مينوت مان فري مان سور
Inch'Allah, bien, demain nous vous trouve qui division qui finit dans communauté humaine, ce qu'ils nous appellent les enfants de Adam alayhi salam, avant qu'il premier Rasoul vini, avant qu'il nous alayhi salam paraît. Et les bons qui énamènent riwayat qui dit qui Idris alayhi salam li hante Adam avec nous alayhi salam, vu qu'il ne peut pas expliquer la vie des prophètes, l'histoire de l'humanité, il ne peut pas expliquer ça. Moi, nous peut expliquer comment désobéissance a commencé, ensuite comment shirk peut apparaître parmi la communauté insane, humaine, inshallah, demain, nous sommes là, inshallah, 9h30, bien Allah Azza wa Jal, nous peut expliquer qui division qui finit dans la communauté pour que Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu, in bisa envoie, ban nabiyin, ban mubashirin, ban mundirin, ban qui averti, ban qui donne bonne nouvelle, et ban ambi alayhi salam, demain, inshallah, 9h30, et ben mourir dire mon frère, mon soeur qui pas encore get premier jusqu'à 9e session, faut les autres get li pour dans 15-20 minutes comment nous pour réel répéter tout ce qui nous traverse, nous pas pour faire ça, d'accord. Et en même temps pas oublier qu'inchallah quand sa 30 sessions là terminé pour un petit quiz une semaine inchallah à peu près une semaine ou bien 10 jours après Ramadan, après Eid, inchallah nous pour porter un peu cadeau concernant ça inchallah. Et par exemple, un frère de Shith alayhi salam dit que c'était des enfants de Adam alayhi salam qui tiennent Nabi. Ils tiennent Nabi. Alors, ça c'est man Israéliyat, toujours. C'est man Riwayat, c'est man narration de Ahlul Kitab. Parce qu'il y a dans Hadith, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et dans man Athar Mawqouf, Penali, excepté si nous. Je ne vais pas faire ça man récit ça en détail. Là. Alors, nous continuons, restons nous la ligne. Là, Inch'Allah, demain nous pourrons guetter comment qui. Les enfants Adam, une divisée. Qui sa division là ça? Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanakallah wa bihamdika. Pas oublier ça, hadith qui, un djimoun gagne guidance à travers où, tout ce action qu'il fait, ou gagne sa récompense. Mazini que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il peut gagner récompense, tout ça, ummat qui me met en pratique là. Abu Bakr radiallahu an, peut gagner récompense, tout le monde qui n'amène l'islam après lui, parce qu'il y a un djibout pour faire da'wa. Alors, quand je peux écouter, surtout, il y a un frère, je suis encore hésité. Je suis encore hésité à cause de mon titre, de mon appellation pour écouter. Alors, les bons qui nous portent à ce maximum, fait maximum du monde écouter. Et les gens qui ont envie d'écouter les sons précédents, l'idée à l'Ottawa, l'idée à l'Omopaz et l'idée à le channel YouTube aussi. Je décris à frère Astraf Dionou. Il y a tous les sons là-bas, Inch'Allah. Il finit classé, il est de ce file, de ce folder complet. Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.